et bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, je vous présente un amigurumi, une peluche, un doudou, comme vous voulez. Un ours blanc, voilà, haut en couleur. Très facile à faire, bien sûr. Les débutantes qui n'ont jamais fait de peluche pourront le faire facilement, puisque j'ai pris les techniques les plus faciles. On ne peut pas faire mieux, voilà. Bien sûr, vous mettrez les couleurs, vous pourrez mettre des accessoires à votre guise. La taille, je vais vous le dire. Bien sûr, il peut être plus gros si vous utilisez un fil plus gros. Et il peut être plus petit si vous utilisez un fil plus fin. Voilà. Hein? Donc, vous pouvez jongler avec la taille du fil pour faire la taille de la peluche. Mais comme techniquement, il est facile à faire, vous pourrez aussi augmenter les rangs ou augmenter les mailles. Pour le faire plus gros, hein, si vous voulez. Voilà. Allez, je vous dis de suite combien il mesure. Alors, ce petit nounours, donc de la tête jusqu'au pied, il fait 13 cm. Donc voilà, c'est pas le tout petit, hein. Attention, voilà. Il est quand même assez grand. Voilà, j'ai fait des graines de jambes. Eh bien, écoutez, c'est parti, on y va. Allez, on va s'éclater. Alors, pour réaliser Monsieur Nounours ou Madame Nounours, j'ai utilisé bien sûr plein de couleurs. C'est toutes les mêmes pelotes. Bon, il y a des petites différences, un petit peu de taille de fil, mais c'est la même marque. C'est la Super Soft de Zeman. Voilà. Qui est, hop, 50 grammes, 199 mètres. Hein. Voilà, c'est de l'acrylique, hein, tout simplement. Il conseille 3 ou 4. Moi, j'ai pris un 3,5. C'est-à-dire que si on vous propose du 4, vous prenez du 3,5. Si on vous propose du 3,5, vous prenez du 3. Si vous prenez, par exemple, un gros fil 4,5, vous prenez 4. Vous prenez toujours un petit peu en dessous pour que le fil soit bien serré, que les mailles serrées soient bien serrées et que la ouate ne puisse pas sortir. Hein? Voilà. Donc, pour Monsieur Nounours, vous aurez besoin, alors, de toutes ces couleurs. Donc, noir, rouge, bleu assez pétard, rose, si vous prenez les mêmes couleurs que moi, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Hein? Du vert, du bleu clair, le blanc pour faire le corps. Donc là, vous allez utiliser facilement une pelote. Le reste, c'est des petits bouts. Hein. Et du gris. Voilà. Après, les vêtements, vous pouvez faire les couleurs de votre choix. Vous pouvez faire le corps avec une autre couleur. Hein. Voilà. Moi, je vous dis ce que j'ai utilisé. Vous aurez besoin, alors ça, c'est sûr, de la ouate. Voilà. Ça, oui. Ensuite, bien sûr, d'un crochet, d'un ciseau, d'une aiguille à laine. Ça va être notre copine. Et de marqueur, c'est aussi impératif quand on fait un amigurumi. Voilà. Et bien écoutez, avec tout ça, on est parti, on y go, on va crocheter. Alors, mesdames, nous allons commencer. Et on va commencer les jambes. Donc vous voyez, elles sont assez longues. On les remplit bien avec de la ouate, hein, vous voyez, c'est assez bien formé. Deux à l'identique. La première, vous pourrez couper le fil. Et la deuxième, vous gardez le fil quand vous avez fini. Vous, surtout, vous ne le coupez pas. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a de la ouate. Hein. On le mettra jusqu'au bout au fur et à mesure. Donc, vous voyez, il faut que ce soit quand même assez ferme, hein, pour les jambes. Voilà. Allez, on va faire ensemble ces petites jambes. Alors, je prends un fil de couleur pour que vous arriviez à bien voir, avec un crochet un peu plus gros. Mais vous prenez le crochet adapté à votre laine, avec le plus petit crochet que vous pouvez prendre, bien sûr, comme je vous ai expliqué. Là, c'est vraiment pour vous faire voir et que vous arriviez à bien voir. Alors, vous me faites un cercle magique. Une maille en l'air. Et à l'intérieur, vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Vous prenez un marqueur, ça va être votre meilleur ami tout le long de la construction. Ici, vous serrez bien, voilà, quitte à serrer un petit peu plus après, il n'y a pas de souci. Et en fait, on va travailler en spirale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de mailles coulées. Pour ceux qui débutent, c'est-à-dire qu'on va tourner non-stop, il n'y a pas de mailles coulées. Donc, ici, dans la première maille que l'on a fait, hop, on rentre, on fait de suite une maille serrée. Et c'est la première, vous voyez, ici, c'est la première du second rang. C'est pour ça qu'on dit en spirale, parce qu'en fait, on ne s'arrête pas. Ça monte. Toujours dans la même maille, vous me faites une deuxième maille serrée. C'est-à-dire, on fait une augmentation dans chaque maille. Donc, dans chaque maille, ici, tout ça, vous allez faire deux mailles serrées à l'intérieur. On appelle ça une augmentation. Donc là, hop, une et une deuxième dans la même maille. Dans la maille suivante, toujours deux mailles serrées. Et on fait ça tout le long du rang. Dans chaque maille, vous me faites deux mailles serrées. Alors, j'ai pris un gros crochet pour que vous arriviez à bien voir les mailles. Hein, parce qu'avec le tout petit crochet que j'ai fait avec le blanc, j'étais pas sûre. Surtout pour les débuts comme ça. Après, c'est moins problématique. Donc là, bien sûr, vous serrez bien parce qu'il ne faut pas après que la ouate parte. Hein. Moi, vous voyez, mon crochet, il est gros, donc ça fait des trous. Mais là, il n'y en a pas. Hein. C'est vraiment tout serré. C'est pour ça que on vous conseille souvent de prendre un crochet un peu plus petit. Donc là, j'ai fait mon premier rang avec que des augmentations. J'ai fait mon premier maille serré, oui, on peut dire le deuxième là, le deuxième que en augmentation. Et le troisième, on va le faire ensemble. Donc vous voyez, le marqueur est très important parce qu'en fin de compte, si on ne met pas de marqueur, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus à quel rang on est. Donc, c'est hyper important. Là, je l'enlève. Et dans la première maille, ici, je fais ma maille serrée du rang suivant. Hop. Et impérativement, je mets mon marqueur à la maille que je viens de faire. Là, j'ai fait une maille. Dans le rang suivant, je vais en faire deux. Deux mailles serrées. Une et deux. Donc, une augmentation. Quand on dit une augmentation, c'est automatiquement deux mailles serrées dans la même maille. Hein? Ici, une maille serrée. La prochaine, une augmentation. Donc, deux mailles serrées. Une maille serrée. Donc, vous avez bien compris, on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Dans la maille suivante, une augmentation. Alors oui, excusez-moi, de 6, on est passé à 12. Hein? Donc là, je viens de faire mon augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Une. Et ma dernière maille est une augmentation. Voilà. Si vous finissez pas par une augmentation, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Voilà. Donc, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. 18 mailles serrées sur ce rang-là. Et là, on a fini. C'est-à-dire qu'on a fait ici la largeur qu'on voulait pour faire cette largeur de jambe. Et à partir de là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à, hop,
la longueur de la jambe. Donc je vous fais voir pour ceux qui débutent, hein. Une maille serrée, remettez toujours le marqueur et une maille serrée dans chaque maille. On arrête les augmentations, donc le cercle va monter, il va se refermer un peu sur lui-même, ce qui fait le côté le pied, si on peut dire quoi. Voilà. Vous voyez, automatiquement, ça monte. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Et là, c'est notre premier rang. Forcément, plus on va monter, plus le tube va se former. Pour les débutantes, hein, ceux qui n'ont jamais fait d'amigurumi ou de peluche et autres, hein, vous avez vu qu'instinctivement ça se referme. Ne gardez pas le crochet à l'intérieur de l'ouvrage. On n'est pas, c'est pas bien de travailler après ou on monte et le crochet il est à l'intérieur, ça va vous gêner. Donc vous poussez votre ouvrage, voilà, vers l'extérieur. Il faut que le petit fil du début soit à l'intérieur. Et là, vous allez pouvoir travailler, monter, monter, voilà, monter tout le long. Mais votre crochet va rester à l'extérieur de la jambe. Hein. C'est valable pour tous les corps, hein, le corps, la tête, les jambes, tout, tout, tout. Hein. Ne restez pas à l'intérieur parce que ça va être techniquement difficile. Hop, on pousse et on a notre petit fil, voilà, à l'intérieur. Et là, ce sera plus facile. Donc là, on a fait un premier rang de mailles serrées. Et vous allez me faire un, hop, donc on est au début ici. Vous allez me faire un total avec une maille serrée dans chaque maille, 31 rangs. Là, on a fait un rang, il y en a 30 à faire. Les premiers ici, des rangs, les augmentations, on ne les compte pas. Là, je vous parle que des rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Et vous me faites 31 rangs avec celui qu'on vient de faire. Au total, 31 rangs. Et bien sûr, bah, vous m'en faites deux, hein. Voilà. Mieux. Et à partir de là, ensemble, on va commencer à faire le corps. Voilà. Vous allez voir, facile à faire. Allez, c'est parti. Donc, vous prenez la jambe, bien sûr, qui nous reste le fil. Hein. Vous allez faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Vous prenez la deuxième jambe. Alors, vous me rentrez. Alors, hop. Vous coupez un peu le fil. Voilà. On le rentre puisque lui, on n'en a pas besoin. On l'enfermera après. Voilà. Et ici, vous allez, hop, vous voyez, là où, non, vous voyez pas parce que j'ai pas zoomé. Alors, bougez pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je disais, on va y arriver, hop, c'est parce que je voudrais que vous arriviez à bien voir. Voilà. Là, nous avons là où on a fini. Vous avez fait une maille coulée, vous avez fait un nœud, hein, pour finir. Vous allez dans la maille juste à côté. Voilà. Et on va faire tout simplement. Hop. Voilà. Une maille. Hein? Voilà, une maille serrée. Par mesure de sécurité,
vous mettez un marqueur sur cette première maille. Voilà. Et là, ce qu'on va faire maintenant, le but, c'est que bien sûr, on a raccordé nos deux jambes et on va faire le tour de la jambe, revenir par l'entrejambe, faire le tour, revenir, faire le tour et ainsi de suite hein, pour faire le corps et après on fera le haut du corps. Hein. Donc là, tout simplement, ben, vous allez faire hein, que des mailles serrées. Voilà. Donc là, on fait le tour de la jambe. Quand on fait des poupées, des amigurumis, franchement, les marqueurs, servez-vous-en. C'est une aide très précieuse. Hein. Ça permet de faire des repères, hein. De ne pas trop s'en mêler les pinceaux et surtout de savoir à quel rang on est. Prenez des notes, marquez le nombre de rangs que vous faites aussi. Hein. Voilà. Moi, j'ai toujours un crayon et un papier. Et je note, hein, comme tout le monde. Hein. Donc là, on arrive, on a fait le tour de la jambe. Hop. Voilà. Ce petit fil, je sens qu'il va m'énerver. Voilà. Donc là où on est là. Voilà, hop, la maille là où il y a le nœud. Voilà, alors. Voilà, là, vous voyez, c'est là où j'ai fait là où j'ai fait le nœud, là où j'ai fait la maille. Hein. Attendez, je vous fais... Voilà. Et ça, c'est la première maille qu'on a fait. Vous voyez, qui correspond... Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Qui correspond à la maille juste suivante. D'accord. Donc, on a fait notre tour. Vous voyez l'importance du marqueur. Hein. Sinon, vous ne savez plus du tout où vous en êtes, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Ce fil, il m'énerve. Hein. Donc là, maintenant, il faut qu'on aille sur l'autre jambe et on va passer par l'entrejambe. Hein. Donc, hop, j'enlève mon marqueur. Voilà. Je vais là, c'est là où il y a la maille. Hein. Je rentre dans la maille. Donc la première maille que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Hop. Je mets un marqueur. Je préfère, toujours, on ne sait jamais. Je préfère avoir trop de marqueurs qui ne servent à rien que pas de marqueur et m'en mordre les doigts. Voilà. Donc là, vous allez, il faut juste retrouver le bon sens, voilà, de la petite maille chaînette. Hein. Quand je dis le bon sens, c'est que vous voyez votre maille chaînette, elle est à plat. Hein? Voilà. Et là, tout simplement, hop. Alors, le premier, c'est jamais évident parce qu'ils sont toujours un peu serrés. La première maille, elle est toujours un peu serrée. Ça. Hop. Voilà. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Hop, vous voyez, comme sur une maille chaînette classique. Hein. Voilà. Au début, c'est un peu fastidieux. On est bien d'accord. C'est pas la partie la plus rigolote, hein, j'avoue. Mais c'est comme ça. Okay. Ouais, on ne peut pas faire autrement. Donc, on y va doucement, on n'est pas pressé. Vous voyez, moi je prends mon temps aussi. Voilà. Et on fait une maille serrée dans chaque maille.
Voilà. Ici, nous sommes donc là où on est parti. Hein? On le voit, on s'est accroché ici. Et on s'accroche à la maille d'à côté. Hein? Ici. Voilà. Et je me mets un petit marqueur. Voilà. Hop. Et là, nos jambes, on a l'entrejambe. Voilà. Hein? Donc, là, on a fait un premier rang. Je fais le tour. Hein? Et je vais passer l'entrejambe. Et là, à partir de là, on fera un deuxième rang. D'accord? Pensez-y. Hein? Voilà. Si vous voulez, mettez des marqueurs de couleurs différentes. Hein? Voilà. Hop. Mais là, c'est mon premier rang. D'accord? J'espère que c'est assez clair pour vous. Hein? Voilà. Allez. Donc là, eh bien on fait le tour. Donc un rang, quand on dit un rang de mailles serrées, c'est qu'on a fait les deux jambes et on a fait l'entrejambe. Hein? On est bien d'accord. Et on a commencé le rang, on a fait l'entrejambe et on a commencé le rang de ce côté. On a fait le tour et on est revenu. Hein, donc, on fait le tour, on revient et on aura fini notre rang. Hop. Bon, j'espère que vous y voyez quand même un peu avec le blanc. C'est vrai que voilà. Donc on arrive à l'entrejambe. Voilà. Ici, ben on fait aussi une maille serrée et on va faire une maille serrée de l'autre côté de la maille chaînette. Hein. Vous voyez là où il y a le petit croisement ici. Voilà. On rentre et on fait une maille serrée. Voilà, tout simplement. Et là, ça y est, on a fait le plus important et le plus fastidieux, si on peut dire. Hein? Voilà. Donc là, bien sûr, on va ici rentrer dans la première maille. Hop, puisque là, on est, vous voyez, on est accroché ici. Donc là, c'est la première maille. Et on fait une maille serrée. Et, hop. Ça, c'est ma première maille. Celle-là, c'est ma première maille. De mon deuxième rang de mailles serrées qu'on fait le tour. On est bien d'accord. Hein? Alors, je vais vous enlever un peu tout ça. Voilà. Ouh. Voilà. Alors, celui-là, n'en a plus besoin. Hop. Vous voyez, au fur et à mesure. Et là, nous avons... Tadam. Voilà. Nous avons notre entrejambe. On a relié nos deux jambes. Pensez à mettre de la ouate au fur et à mesure. Hein. Voilà. Là, après, on en mettra à l'intérieur puis dans le bidou. Mais on a fait notre entrejambe. Voilà. Et le but, maintenant, ça va être, vous voyez, ici, mon premier rang, enfin, mon deuxième rang, le début de mon deuxième rang, je fais ça, je reviens, je passe de ce côté, je tourne et je reviens. Et j'ai fini mon rang. J'en fais un autre et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est sympa.
Et ça fait l'entrejambe. On choisit la distance pour faire l'entrejambe de la peluche. Hein? Voilà. Donc, quand vous voulez faire une peluche, ben, vous faites les jambes et le reste, c'est automatiquement comme ça. Sauf si vous faites un rond, le corps, et que vous accrochez les jambes comme on accroche les bras. C'est faisable aussi. C'est moins joli, c'est voilà, ça fait c'est moins dans le détail quoi, mais c'est faisable. Voilà. Je vais essayer de vous donner des petites astuces au fur et à mesure dans la vidéo pour les peluches, les doudous, voilà. Donc le but maintenant, ça va faire de faire des rangs et à un moment donné, hop, de faire le corps, hein? Voilà. Donc là, maintenant, surtout qu'on a tout relié, on va faire le corps. Alors, vous voyez, donc au niveau du corps, vous allez monter, remplir au fur et à mesure la ouate. Vous voyez, là, j'en ai pas mis, c'est pour ça que c'est tout mou. Hein. Et à partir du moment où on a commencé donc à faire les rangs de mailles serrées, hein, c'est-à-dire, dès qu'on a commencé, on a fait l'entrejambe, et dès qu'on a commencé à faire les rangs de mailles serrées qu'on a tourné, vous avez d'ici jusque-là 46 rangs en faisant une maille serrée. Voilà. Ce qui fait, pour ce modèle-là, un corps, vous voyez, qui est droit et qui monte. Un peu quand même dodu, vous voyez ici. Hein. Vous avez des amigurumis où le ventre est beaucoup plus bombu. Ça, on le fera une autre fois. Donc maintenant que le corps il est assez grand, on va affiner pour finir et entre guillemets créer en fait le reste du corps, la tête. Hein, voilà, ça c'est les doudous les plus faciles au monde. Donc, allez, on commence les diminutions. Voilà, donc les diminutions ça va être très facile. Alors on garde toujours son marqueur, hein. Donc, on va faire une diminution, on va faire 5 mailles serrées. Donc, une, on remet vite son marqueur. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles serrées. Et on fait une diminution. Diminution, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Je rentre dans la maille, je ressors et je garde ma boucle. Je rentre dans la maille suivante, je prends mon fil et je garde. Et je vais faire les trois boucles. Voilà. Et là, on a fait une diminution. Et on repart sur une, deux, trois, quatre et cinq. Et on refait une diminution. Voilà. Et on va faire ça tout le long. 5 mailles serrées, une diminution. 5 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve à la fin. Maintenant que le rang de diminution est fini, on va faire un rang normal. C'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Tout simplement. Hein? Allez, on fait le tour, on se retrouve à la fin. Alors maintenant, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc là, c'est ma première. 2, 3, 4. Et on fait une diminution. Donc maintenant, ça devient de la routine. Hein. Une, deux, trois, quatre et diminution. Allez, on se retrouve à la fin. Quand vous avez fini votre rang de diminution, vous me faites un rang en faisant une maille serrée dans chaque maille. Hein. Vous avez bien compris, pour l'instant, on alterne. Hein. Donc, vous m'avez fait 4 mailles serrées, diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Un rang de mailles serrées toute seule, tranquille.
Et là, on va faire la nouvelle diminution, donc ma première ici, 2 et 3 mailles serrées, et on fait une diminution. Voilà. Hop, alors ça m'arrive souvent. Donc, ma diminution. Voilà. Et on repart sur 1, 2 et 3. Et ma diminution. Voilà. Donc, vous me faites 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant, une maille serrée dans chaque maille. On se retrouve pour la suite. Alors, nouvelle diminution. Je pense que vous avez deviné. Ici, la première. Deuxième maille serrée. Et on fait une diminution. Voilà. On fait diminution un peu tout en douceur. Donc, une maille serrée. Deux mailles serrées. Et une diminution. Voilà. Hein, comme ça, vous voyez, ça fait... Hop, j'arrive. Voilà, ça fait quelque chose, un arrondi, mais voilà, un peu doux, hein, quand même. Donc, deux mailles serrées, une diminution, deux mailles serrées, une diminution. On fait un rang en faisant une maille serrée dans chaque maille. On se retrouve juste après. Donc, bien sûr, vous remplissez votre boîte au fur et à mesure. N'attendez pas que ce soit fermé, hein. Voilà, je ne voulais pas préciser parce que c'était quand même un peu logique. Remplissez bien, hein. Vous voyez, il faut que ce soit bien ferme. Sinon, la forme du corps ne sera pas jolie, hein, et la forme de la tête non plus. Il faut vraiment qu'il soit bien rempli. Après, vous voyez, on malaxe un petit peu pour que la ouate s'installe à l'intérieur, hein. Donc maintenant qu'on a fini notre rang de mailles serrées, donc là, ça va être un peu plus dur au niveau... voilà, hop. Ici, donc là, moi, j'ai fait ma première maille puisqu'il y a mon marqueur. On fait une maille serrée et une diminution. Voilà. Une maille serrée, une diminution. Allez, c'est parti. Alors, vous venez de finir une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Maintenant, vous allez faire que des diminutions non-stop. Donc, pour ça, vous faites diminution. Alors, c'est moins facile maintenant, hein, surtout avec la ouate qui nous gêne un tout petit peu. Et encore diminution. Voilà. On ne fait plus de mailles serrées, vraiment on rétrécit. Donc là, c'est un peu dur maintenant pour vous faire voir parce que j'ai le... Ouh, j'ai tout qui gêne. Voilà. Et vous voyez, on ferme. Hein? Allez, diminution sur diminution. Alors, maintenant, vous voyez, c'est... Hop, très petit. D'accord? Vous enlevez votre marqueur. Hop, ici. Voilà, on vient de finir le rang de diminution. Alors, c'est vraiment pas facile de tenir les jambes. Et voilà. Là, vous rentrez dans la maille et vous faites une maille coulée. Hop. Et ici, hop, vous prenez et vous faites un nœud. Vous avez coupé le fil, bien sûr, avant. Voilà. Maintenant, vous prenez votre aiguille à laine. On va fermer le trou. Voilà. Et en fait, on va... on va zigzaguer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. On rentre d'un côté, on sort de l'autre. Hein? Voilà. Et après, on tirera. Vous voyez, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. On rentre d'un côté, on sort de l'autre. Voilà. Même si vous faites un petit doublon, c'est pas gênant. Voilà. Et là, hop, vous serrez. Vous voyez? Hop, tout se resserre. Il n'y a plus de trous. Voilà. Il n'y a plus de petits trous. On fait quand même... Voilà.
un nœud et vous allez rentrer votre aiguille carrément dedans. Vous ressortez n'importe où, voyez, ici. Hop. Voilà. Et vous coupez à ras, sans couper le tension. Hein. Voilà. Et le fil, il est rentré, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, votre tête, corps et jambes est fait. Voilà. Vous voyez, c'est bien, c'est bien ferme. Là, il faut remplir au maximum aussi. Hein. C'est pas évident parce que y a le trou, il devient plus petit. Mais après, ce que vous pouvez faire, c'est faire remonter un peu la ouate. Vous l'installez, voyez, hop, faut pas hésiter. Il faut même malaxer des fois, un petit peu, pour que ce soit bien rond. Voilà. Hein? Installez là, hein? Ça c'est quand même toujours de. C'est toujours de la ouate. Hein? Voilà. Donc, ça c'est fait. Nous passons à la suite. Maintenant que tout le corps est fait, on va s'attaquer aux bras. Voilà. Alors, les bras. C'est exactement pareil que les pieds, voilà, que les jambes. C'est exactement pareil, excepté que on les fait légèrement plus courtes. Hein. Et au niveau de la ouate, on en met moins. Et vous voyez, on aplatit et on courbe un tout petit peu les bras, qui fait qu'en fait, quand on va les mettre comme ça, voilà, vous voyez, ça fait un peu plus des bras et pas des jambes. Et pourtant, c'est quand même les mêmes. Donc, je vous rappelle. Pour faire les bras, on reprend les mêmes dimensions que les jambes. Donc, je vous ai fait voilà, le petit récap. Hop. Donc, vous me faites toujours le cercle magique. Non, j'ai oublié de vous intégrer. Donc, dans le cercle magique, vous me faites 6 mailles serrées. Voilà, sinon il y a un souci technique, hein. J'ai oublié de le mettre. Donc dans le cercle magique, vous me mettez 6 mailles serrées, exactement comme pour la jambe. Ensuite, une augmentation dans chaque maille. Et ensuite, vous me faites une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Exactement ici, comme à la base. C'est pareil, c'est exactement pareil. Mais au lieu de faire toute la longueur comme on a fait, vous allez faire 36 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc après avoir fait ici le rang avec l'augmentation, on s'arrête de faire des augmentations, on fait une maille serrée dans chaque maille et on fait 36 rangs. Ce qui vous donnera le bras. Et bien sûr, vous m'en faites 2. Voilà. Hein? Là, vous n'avez pas besoin de moi puisque c'est exactement ce qu'on a fait ici. Maintenant, on passe à la suite. Quand vous avez fini les bras, hop, on continue. Alors, maintenant que les bras sont faits, on va faire les chaussettes. Donc, les chaussettes, pour ceux qui veulent, hein, vous n'êtes pas obligés, hein, c'est en fait la jambe légèrement plus grande, tout simplement. Voilà, le principe est exactement le même, hein, mais légèrement plus grand pour que la jambe puisse rentrer. Voilà. Donc, bien sûr, on va en faire 2. Voilà. Hop. Ça fait bizarre comme ça, mais après, ce sera un peu plus mini. Donc, pour faire les chaussettes, on garde le principe des jambes. Donc, ici, hop, on fait le cercle magique. On fait 6 mailles serrées à l'intérieur, augmentation dans chaque maille, une maille serrée et une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Le rang suivant qu'on va faire ensemble, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et après, on fait 19 rangs. Alors, la chaussette, si vous voulez, vous pouvez la faire plus courte ou plus longue. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que 19 rangs, en faisant une maille serrée dans chaque maille, suffit largement. Bon, après, à vous de voir. Hein. Donc, je me suis avancée ici.
j'ai fait de là à là. Donc j'ai fait déjà une maille serrée dans chaque... Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc ça me donne ici. Ça, c'est la taille de ma jambe. Moi, je le veux légèrement plus grand. Donc je vais faire deux mailles serrées, une augmentation. On va le faire ensemble. Hop, je mets ça de côté, je vous le redonnerai après si vous voulez. Voilà. Alors, pour la suite. Donc là, vous me faites une maille serrée. Une maille serrée. Voilà. Ici, dans la maille suivante, vous me faites une augmentation. Et à partir de là, on fait une, donc deux mailles serrées et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Une maille serrée. Une maille serrée et une augmentation. Voilà. Hein? Donc ça agrandit très bien le cercle. Et on continue. Une maille serrée, une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une maille serré et une augmentation. Hop. Et on finit, c'est pour ça qu'on le fait ensemble, et on finit par une maille serrée. Voilà. Ça, c'est la petite astuce pour avoir notre rond rond. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc à partir du moment où on a fait ce principe-là, vous allez me faire mes 19 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille pour monter. Là, on n'agrandit plus. Ça y est, on a notre surface désirée. Et maintenant, on monte. Donc, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille avec 19 rangs au total. Voilà. Et votre petite chaussette sera faite. Voilà. Pour agrémenter notre petite chaussette, on va faire un petit nœud. Voilà, tout mimi. Vous prenez les couleurs que vous voulez. Alors, ça vous voyez, hein, le nœud ou sans le nœud, vous mettez autre chose si vous voulez. Voilà. Donc, on va faire le petit nœud. Vous allez voir, c'est rapide, facile. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Alors, vous prenez le fil de votre choix. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notre maille chaînette. Hein. On fait une maille supplémentaire, c'est juste pour tourner. Vous n'allez pas à la première maille, vous allez à la deuxième. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, ça vous fait toujours 6 mailles serrées. Voilà. Là, on fait un carré, enfin, pas un carré, mais un rectangle plutôt. Voilà. Hop. Donc là, on vient de faire un premier rang de mailles serrées. On en fait un autre, hein, tout simplement. Voilà. On ne peut pas faire plus simple, hein, qu'un petit nœud. Voilà. Si vous voulez faire une autre déco, surtout ne vous gênez pas. Hein. Faites-vous plaisir. Éclatez-vous. Voilà. Hop. Le dernier est toujours un peu en biais. Hop. Voilà. Donc là, on vient de faire deux mailles serrées. Deux mailles serrées. Oh là là.
de rhum, de maïs serré. Et on en fait un troisième. Hein? Bon. Pourquoi j'ai un petit souci technique, moi? Ah, j'ai dû rentrer un peu trop loin. Quand c'est petit comme ça, des fois. Voilà. Hop. Voilà. Alors, donc je disais, on a fait deux rangs et on en fait un troisième. Voilà. Alors, vous pouvez le faire un peu plus grand, plus petit si vous voulez. Le principe est toujours le même. Donc après, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Voilà, un petit rectangle. Hop, on coupe. Voilà. Tac. Vous rentrez les nœuds. Alors, où est mon aiguille à laine? Voilà. Vous rentrez les nœuds d'un côté, le côté où bien sûr il va être collé à la chaussette, hein, forcément. Voilà. Donc. Vous essayez de trouver un accrochage quelque part. Voilà. Ensuite, ben, vous coupez. Pas trop court pour pas que ça se défasse. Hein. Voilà. Donc ça, ce sera à l'intérieur, on ne le verra pas. Et vous prenez le fil. Alors là, pour moi, c'est le plus difficile parce que quand c'est petit comme ça, j'ai pas l'habitude de travailler le petit. Donc du coup, alors vous essayez à ce que votre fil soit bien au milieu, ce qui est pas évident, j'avoue. Même moi, je galère. Hein. Voilà, à peu près. Hein. Et vous faites le petit nœud. C'est là où je galère aussi. Et que là, il y a tout qui bouge. C'est pas grave, on va y arriver. Franchement, ceux qui font des tout petits amigurumi, des minuscules, je sais pas comment ils font. Je crois que j'ai pas les doigts assez fins. J'ai les doigts trop boudinés. Voilà. Bon, j'y suis quand même arrivée. On fait un deuxième nœud pour sécuriser. Mais vous en faites autant que vous voulez. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Vous coupez juste un fil. L'autre, vous laissez de la marge. Hein, parce que c'est grâce à lui qu'on va coudre le nœud. Hein. Voilà. Et votre petit nœud, il est fait. Ça, hop, il sera enfermé. Voilà. Oui, mon autre petit nœud. Voilà. Oh, celui-là, je l'ai mieux fait que celui-là. Voilà, deux petits nœuds pour deux chaussettes qu'on va coudre. Hein. Au moins, ce sera fait. Hein, on va le coudre sur le haut des chaussettes. Hein. Donc, voilà. Petite couture. Hein. Il en faut, hein, de temps en temps. Et les chaussettes seront prêtes. Voilà. Allez, donc, on coud ça et on passe à la suite. Voilà. Les petits nœuds sont cousus. Ça fait un peu mimi. C'est vrai que ça va un peu agrémenter notre petite chaussette, vous voyez, voilà, hop, ça va faire, voilà, ça fait un peu plus sympa, ça habille un petit peu plus, hein, voilà, si le côté, ça bouge, hein, vous faites deux petits points de chaque côté pour qu'elle reste fixe, hein, voilà, mais moi j'aime bien que ce soit un petit peu en relief, c'est un petit nœud, voilà, hein, allez, c'est parti, on fait la suite, donc nous avons le corps entier, nous avons fait les chaussettes. Maintenant, on va faire les oreilles. Voilà, les petites oreilles de monsieur ou de madame,
Hein, voilà. Donc les oreilles, c'est facile, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une future boule, mais qu'on finit pas, qu'après on aplatit. Ça fait l'oreille, le creux de l'oreille, et ça fait l'arrondi qu'on veut, suivant l'animal qu'on veut faire. Hein? Voilà. Pour les lapins, c'est le même principe, excepté que l'oreille est toute en longueur, mais le principe est pareil. C'est un double comme ça, c'est un rond qu'on aplatit. Voilà, ça fait l'oreille. Allez, on commence. Donc, pour faire l'oreille. Alors, le principe est toujours le même. On fait un cercle magique. Hop. Voilà. Donc, à l'intérieur, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On se prépare un marqueur, comme d'habitude. Voilà. On fait... l'augmentation, donc 2 mailles serrées, on met le marqueur à la première maille qu'on a fait. Voilà, donc le principe est un peu le même, hein. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille, resserre bien. Ça, maintenant vous connaissez, hein, le principe. Là, on fait une maille serrée et une augmentation. Donc là, on est sur le rang, une maille serrée, une augmentation. Une et l'augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Voilà. Voilà. Et on va continuer encore à agrandir. Une maille serrée. On fait l'augmentation. Et là, on part sur les 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, et l'augmentation. Voilà. 1, 2, et l'augmentation. 1, 2 et l'augmentation. Voilà. Et vous finissez. 1, 2 augmentation. 1, 2 augmentation. Et vous finissez par une maille. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Vous finissez. Et on continue encore à augmenter. Maintenant,
On fait 3 mailles serrées. Donc là, je viens de faire la première. Hein. Voilà. Là, je viens de faire la première. Deuxième. Troisième. Et une augmentation. 1. 2. 3. Et une augmentation. Voilà. Donc vous me faites 1, 2, 3 augmentations, 1, 2, 3 augmentations et vous finissez par une augmentation à la fin. C'est parti. On fait le dernier rang d'agrandissement. Hop, donc ma première maille serrée. Ma deuxième. Et une augmentation. Et maintenant, on s'en va sur 4. 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation. Et c'est parti pour refaire 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Voilà. Vous allez faire ça tout le long et ici vous finirez par 2 mailles serrées. Augmentation, 2 mailles serrées. Voilà. Et maintenant, on va faire la partie hauteur. Hop. On va faire cette hauteur-là maintenant. C'est-à-dire qu'on va faire 5 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. C'est tout. Hein, on arrête les augmentations. Une maille serrée dans chaque maille. Et vous allez me faire 5 rangs au total. Tout simplement. Et notre oreille sera finie. Il a fallu que je fasse plusieurs tests pour trouver la bonne taille de l'oreille par rapport à la tête. Hein. Soit c'était trop grand, soit c'était trop petit. Pff, franchement, hein. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour une peluche? Voilà. Donc, 5 rangs. Après, bien sûr, pensez à me le mettre à l'envers, hein, comme ça. Et ça va vous donner ceci. Quand vous faites le nœud que vous coupez, vous gardez du fil pour faire la couture, hein, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti mesdames. Finissons les oreilles. Voilà, on va en fin de compte, vous voyez, coudre une oreille. Voilà, alors, ça, c'est une partie délicate puisqu'il faut qu'on soit en phase par rapport au corps, bien sûr. Et que ce soit un peu sur le côté. Hein. Voilà, ici, comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu délicat. Mais avant de coudre l'oreille sur le corps, on va rejoindre les deux parties. Donc ici, là où vous avez votre fil, il faut que ce soit à l'angle. Donc, vous me pliez de sorte que, voilà, ce soit dans l'angle. Et en fait, on va la coudre pour que ça fasse qu'une seule... et même partie, donc maille avec maille, tout simplement, voilà, hop, et on coud tout simplement l'ouverture. Vous faites bien attention que ce soit bien en face, voilà. Alors, vous voyez, hop, que ce soit bien en face. Voilà. Et on va coudre l'intérieur. Voilà. D'accord? Allez, vous me faites ça tout le long.
Alors, au niveau couture, je ne peux pas vous le faire voir en entier parce que c'est très difficile entre la caméra et que je tienne le. Je vous fais voir juste la fin. Donc, vous prenez. Alors. Vous prenez la partie grisin. Voilà. Et vous rentrez dans la partie blanche. Et vous ressortez, vous rentrez dans la partie blanche et vous ressortez au plus près de ce que vous pouvez. Voyez? Voilà. Condition qu'il n'y ait pas de nœud. Pourquoi il y aurait un nœud? Voilà. Et là, on a cousu. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Voyez? Je rentre dans le gris, je rentre dans le blanc, je ressors du blanc et je tire. Je rentre dans le gris, blanc, blanc. Voilà. Hein? Et bien sûr, vous essayez au maximum à ce que ce soit à peu près pareil. Hein, voilà. Après, c'est une peluche, c'est pas quelque chose qui est parfait entre guillemets. Hein. Ça peut avoir du charme d'avoir une oreille en haut, une oreille un peu en bas, ou voilà. Hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Quand vous avez fini pour rentrer le fil, ça c'est l'astuce de toutes les poupées inimaginables. Donc vous passez plutôt derrière. Hein. Voilà. Là, vous allez faire une. Hop, tout petit peu là. Voilà. Un nœud, je zoome un peu, voilà. Donc là on fait un nœud, on rentre là où il y a le nœud et on ressort n'importe où, le nœud est rentré, on le voit plus. Et ici, on coupe très ras. Attention de ne rien couper d'autre. Voilà. Et on a rentré le fil dans la peluche. Et on voit, il n'y a rien. Voilà. Donc, nos oreilles. Nos oreilles sont là. C'est déjà pas mal. Et on passe à la suite. Alors, pour faire les yeux. Moi, je prends des petites aiguilles comme ça, des épingles, avec une petite tête toujours en plastique. Hein. Et ça me permet de faire les visages, de planter, de créer le visage. Et ça me permet de voir l'équilibre au niveau de la peluche. Donc, faites pareil, mettez, positionnez vos yeux. Alors, là, c'est fait exprès, ils sont vraiment côte à côte. Hein. C'est fait exprès, hein. N'ayez pas peur. Donc, pour. Faire les yeux. Vous prenez un fil noir ou un fil de couleur, si vous voulez que les yeux soient bleus ou verts ou comme vous voulez, jaune. Hein. Vous rentrez dans un creux, n'importe où. Hein, voilà. On va ressortir là où il y a l'aiguille. Hop. Voilà, vous voyez, je suis ressortie là où il y a l'aiguille. Voilà. On enlève bien sûr l'aiguille, quoique on va la laisser encore un petit peu. On prend du fil, de la marge, hein. Voilà, on en laisse un petit peu parce qu'après on fera un nœud. Voilà. Donc on vérifie toujours, on prend son temps, hein, quand on veut faire les yeux. Voilà. Ici. On va juste à côté. On ressort là où il y a déjà le fil. J'essaye de ne pas vous passer devant. Voilà. On refait encore un petit tour. Je le fais en même temps que vous, hein. Voilà. Donc du coup, je regarde ce que ça donne en même temps. Voilà. Il faut que ça fasse un petit rond.
Voyez, ça fasse un petit rond comme ça. Hein? On refait un petit troisième et là on va ressortir à côté. On va regarder si c'est toujours, si ça fait toujours joli. Ouais. Donc on refait et là on va ressortir là où il y a l'aiguille. Hop. Alors on ne tire pas trop. Faut que ça reste que le petit œil soit en relief. Et là, on fait pareil de ce côté. Alors, j'inverse. Hein. Hop, excusez-moi. Voilà, sinon, je ne vais pas y arriver. Et voilà, on ressort là où il y a déjà la laine. Un. Deux. On l'avait fait trois fois. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. Je suis allée trop vite. Hein. Voilà. Donc, là, on l'a fait deux fois. À la troisième, on ne ressort pas là où il y a le fil. On va ressortir là où il y a le petit fil d'entrée. Ici. Voilà. Donc, là, j'ai toujours mon troisième fil au niveau de l'œil. Vous voyez? Hop. On regarde que ça fasse quand même un peu joli. Et là, on est au bon endroit pour faire le nœud. Donc là, on fait son nœud. Alors, attention, quand vous faites le nœud, ça peut tirer sur l'œil. Hein. Donc, on fait attention. On fait un petit nœud, voilà, comme ça. Et pour pas avoir le nœud et le fil noir qui est quand même de ce côté, on re-rentre dans le même trou. On ressort n'importe où. Et là, hop, vous voyez, le nœud est rentré, il n'a plus. On coupe à ras, pareil. Et si vous avez comme moi un ciseau très pointu, qui est très pratique, hein, on rentre le petit fil noir bien au fond. On remet en place un petit peu notre maille. Et là, on ne voit plus rien. Et hop, je dézoome, doudou, et nos yeux sont prêts. Alors les yeux, souvent on les installe un petit peu. Hein. Avec l'aiguille, on peut, vous voyez, positionner un petit peu notre fil. Hein. Voilà. Et bien sûr, vous le faites sur la même ligne. Hein. On est bien d'accord, je n'ai pas précisé, mais c'est sur la même ligne. Voilà, nos tout petits yeux sont faits. Ça, je trouve ça trop marrant. Grosses oreilles, petits yeux. Et ben, on continue, on n'a pas fini. Hein. Alors, pour faire le nez, alors, on va le faire ensemble. Vous me faites donc un cercle magique. Hein, si maille serrée à l'intérieur. Hein, connaissez le principe par cœur maintenant. Hein, voilà. Hop. Voilà, première maille, chaque fois, moi, elle est un peu... Voilà. Donc, une, deux mailles serrées dans la même maille. On prend et on met à la première maille. On fait donc une augmentation dans chaque maille. On continue à grandir, une maille serrée et une augmentation. Voilà, une maille serrée, une augmentation.
une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Hop. Alors, ce qu'on fait, on fait ensemble, hein? Franchement, c'est en direct, presque, mais en direct. Donc, du coup, on vient là, on va regarder ce que ça donne, hop, avec la taille, en fait, si on peut dire, pour le nez, voilà. Bon, ça a l'air pas mal. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est que là, maintenant, on ne fait plus les augmentations. On va faire quelques rangs de mailles serrées. Hein? C'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Allez, vous me faites une maille serrée dans chaque maille. C'est parti. Voilà. Allez, zou, zou. Voilà, donc on a fait juste un rang de mailles serrées. Vous voyez, c'est un petit peu bombu. Et on va le mettre là, pas trop loin des yeux, hein, assez proche. Hein. On va commencer la couture. Hein, et avant de fermer, on rajoutera un tout petit peu de ouate à l'intérieur pour qu'il reste bombu, hein? Mais pas de suite, sinon c'est pas faisable. Voilà, donc là on reste bien comme ça et on rentre, hein? Et on ressort. Alors on essaye de pas trop bouger. Aidez-vous à mettre des épingles, hein? Pour fixer la partie du nez. Vous voyez, il y a encore moi, elle a bougé. Hop. Voilà. Il faut vraiment qu'il soit proche du nez. Voilà. Hein? Pour éviter qu'il bouge pendant que vous faites la couture. Donc bien sûr, la couture c'est le même principe, hein. On rentre dans la partie blanche, on ressort. On essaye de pas trop tirer. On revient un peu en arrière, on ressort un peu plus loin. C'est pas évident, mais on peut y arriver. Voilà. On revient en arrière, vous voyez, on vient en arrière ici, et on ressort un peu plus loin, ici et ainsi de suite. Hein. Voilà, allez, on fait la couture. Voilà ce que ça donne quand on a fini de coudre. Ne m'oubliez pas la ouate à l'intérieur. Vous laissez ici un espace, vous rentrez la ouate et vous finissez la couture. Voilà, ça reste un nez, vous voyez, quand on appuie, qui reste en relief. Voilà. Là maintenant, la bouche. Alors la bouche, vous pouvez la faire droite. Moi, j'ai envie de la faire un peu sur le côté, comme s'il était un peu coquin. D'accord? Positionnez vos petites épingles. Et là, c'est pareil. On rentre. Moi, j'ai pris un fil rouge. Hein. On rentre n'importe où. Voilà. Hop. On ressort là où il y a une aiguille. Hop. Désolée, je vous passe un peu devant, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Je suis droitière. Hein. Voilà. Ici, on va aller à celle-là. Voilà. Alors, hop. On ressort là où on est rentré, ici.
Là, on les enlève. C'était vraiment pour dessiner notre bouche. Voilà. Ici, on va refaire un trait. Donc, on revient là. Et on va ressortir au milieu, un petit peu, qu'on était de travers. Et un peu en bas. C'est-à-dire, on veut descendre, en fait, notre bouchon. Alors, il faut trouver... Voilà. On va trouver, on va faire un essai. Quand on fait une bouche, on bouge beaucoup. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis ici. Et ça va me permettre de le faire descendre sur le un petit peu en bas. Donc là, alors si je me mets ici, voilà, c'est bon. Donc je reviens, en fait, dans le même trou que là où il y a mon fil. Je reviens dans le même trou et je vais sortir à mon trou final, tout simplement. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, ça le tire vers le bas. Voilà. Et ça me fait une bouche de travers. Et là, on fait la même astuce pour tout. C'est le même principe. Son petit nœud. Voilà. On re-rentre là où il y a le nœud. Alors, on essaye de tirer un tout petit peu pour être au bon endroit. Hein. On sort n'importe où. Et le nœud, tac, il rentre. Et on coupe à ras de partout. Voilà. Voilà. Et on a fait notre bouche de travers, le côté un peu coquin. Voilà. Donc le visage est fini. Vous pouvez, si vous voulez, avec soit ils le font avec un fond de teint, hein, le maquillage, hein, avec un petit pinceau, vous pouvez faire des joues. Voilà. Hein. Pour faire des joues rondes, roses, là, voilà, ou pas, c'est après à vous de voir, hein, voilà. Donc, notre visage est fini. Maintenant, on va faire ce que je n'aime pas trop, encore de la couture, hein, pour mettre nos bras. Oui, 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 oui. Alors, les bras, c'est le même principe que les oreilles. Ici, vous allez me les coudre, hein. Tac, 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 vous allez fermer. Et on va les coudre là. Alors, vous les positionnez de sorte que ça soit homogène. Hein. Hop, vous voyez que ça fasse quand même des bras. Voilà, pas trop bas, pas trop haut, mais des bras. Hein. Et vous faites la couture. Allez, c'est parti. Voilà, les bras, ils sont mis. Voilà, hop. Ça, c'est la technique la plus facile pour faire des bras. Ça commence à prendre tournure, mesdames. Il commence à être mimi. Déjà, il est entier. C'est déjà pas mal. Bon, on continue. Alors, maintenant, nous allons faire le short. Donc, le short, c'est le même principe que les jambes. C'est-à-dire que les jambes, ce qu'on a fait, on a fait deux jambes. On a relié, on a fait l'entrejambe et après, on a fait le corps. Pour le short, ça va être pareil. On va faire deux parties de short au niveau jambes, on va les relier et après on va faire le reste du short. Donc on va faire deux comme ça, un que vous coupez et un que vous garderez le fil puisque on fera l'entrejambe. Donc on part sur 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. À partir de là, vous prenez entre votre pouce, vous faites coulisser pour que votre maille chaînette soit bien droite, vous tournez et vous rentrez le crochet dans la première maille à côté du nœud. À partir de là, vous faites une maille coulée, tout simplement. Voilà. 1, 2, 3, première bride. Donc là, je suis ici. Il faut bien regarder où vous êtes. Hein? Voilà. Je suis là. Hein? On est rentré ici. Donc je vais dans la maille d'à côté. Et je fais ma deuxième bride. Et on va faire une bride dans chaque maille. Et il faut que quand vous avez fini votre tour, parce que là c'est un tour, hein, il vous faut toujours 18 brides. D'accord? Il en faut toujours 18. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. Il en faut 18. Donc, une bride dans chaque maille jusqu'à la fin. Après, on fait une maille coulée et on fera d'autres rangs. Voilà. Vous voyez, vous mettez bien à l'envers pour que vous puissiez travailler correctement. Il n'y a pas de souci. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous allez à la troisième maille en l'air, hein, qu'on a fait au début, et vous faites une maille coulée. Voilà. Hop, vous mettez bien à l'envers, vers l'envers. Votre fil il est à l'intérieur pour pouvoir avoir votre crochet à l'extérieur de l'ouvrage, hein, toujours. Donc, ici, on va faire une petite hauteur, hein, puisqu'on a quand même nos chaussettes. Hein. On fait 1, 2, 3, 3 brides au total, en comprenant celle-là. Hein. Donc 1, 2, 3 au total. C'est parti. Donc vous me faites une où vous coupez le fil et l'autre vous ne coupez absolument pas le fil. Vous ne touchez à plus rien quand vous avez fait les 3 rangs. Allez. Maintenant que les deux sont prêts, on va faire l'entrejambe comme on a fait là. Hein. Alors, attention, moi mon fil... Il est légèrement plus gros que le blanc là. Mon bleu est légèrement plus gros que le blanc. Donc je vais faire attention que les 10, ça ne fasse pas trop grand. Parce que suivant la taille du fil, forcément, ça ne fait pas la même distance. Donc on vérifie. Hein. Donc si vous êtes un peu comme moi, vous faites attention. Peut-être qu'on en fera 8 hein, ou 10 si ça convient. Hein. Allez, pour l'instant on fait... Alors, ici... Je vais mettre un marqueur. Voilà, là je suis ici, sur cette bride là. Je vais mettre un marqueur là, par mesure de sécurité. Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend notre nounours. Et on va essayer quand même de vérifier un petit peu. Donc si je suis ici, voilà. Donc là, je vais être ici à peu près. Donc vous voyez, c'est ce que je pensais. Mon fil est un peu trop grand. Mon fil est plus épais que le blanc. Donc 9, 8, 8, voilà. On va faire sur 8. On va faire 8 mailles en l'air. C'est mieux. Alors, si votre fil est de la même taille que le corps,
Ben, ce sera 10, hein? Voilà, vous vérifiez quand même, hein? Et on va faire le même principe, hein? Ici, on va s'accrocher. Hop. N'importe où, hein? Hop. On tourne. Voilà. On va... Alors, nous, on est ici. Bon, on va s'accrocher là. Voilà. Après le nœud. Ça, on le rentre à l'intérieur. Pas que ça nous gêne trop. Voilà. Et là, je fais une maille coulée. Et le... Hop. Voilà. Et le principe, voilà, c'est qu'on va continuer ben, le haut comme le corps, entre guillemets. Hein. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air. Et je vais faire mes brides. Hein. Une bride dans chaque maille. Hein. Tout simplement. Voilà. Donc je vais faire le tour. Bride sur la petite maille chaînette ici. Je fais le tour. Je refais sur l'autre côté de la maille chaînette. Hein, et là, je ferai une maille coulée. Et après, je vais continuer et on tourne et on tourne et on tourne. Hein? Voilà. C'est vrai que... Alors, c'est marrant parce que c'est la même marque de fil. Parce que toutes les couleurs que vous avez vues, c'est la même marque de fil. Hein, c'est la même. Mais le bleu, ben, il est un peu plus épais que le blanc. Hein? Comme quoi, de temps en temps... Mais il faut quand même qu'on vérifie quand on fait ce genre de petit ouvrage qu'on change de fil. On fait attention. Mais moi, je le vois, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran. Mais le bleu, il est quand même plus épais. Il est plus moelleux, si on peut dire ça pour un fil. Je ne sais pas si c'est vraiment un vocabulaire adéquat. Mais bon, je le dis quand même, j'assume. Voilà. Donc, là, c'est mon petit nœud. C'est vrai qu'il embête un petit chouïa, mais c'est pas grave. Et là, alors, hop, je calcule. Alors, là, pour éviter qu'il y ait un trou, vous me rentrez dans la petite troisième maille en l'air et vous me faites une maille coulée. Voilà. Ici, on prend donc un côté... de la maille chaînette, puisqu'on travaillera l'autre côté. Donc, on va prendre en haut et on rentre dans la maille, si ça veut bien rentrer, et on fait des brides. Hop. Voilà. Et la dernière, hop. Il faut pas, voilà, il faut que je prenne juste la maille. Je vais y arriver. Voilà. Et là, je continue. Là où j'ai mon marqueur. Voilà. Hein? Là où j'ai mon marqueur, je continue. Et on va faire le tour. Hein? Voilà. Donc on fait le tour, on se retrouve de l'autre côté. Là on avance, on va faire l'entrejambe. Donc on rentre dans l'autre côté de la maille chaînette. Hein? On se met bien en face des autres brides. Ça aide à se positionner. Hein? Voilà.
Et quand on arrive ici, alors l'astuce, c'est vous voyez, il y a une bride en bas à la deuxième. J'ai mis le marqueur pour que vous arriviez à bien la voir. Une bride deuxième, je rentre et je fais une maille coulée. Voilà. Il faut que, vous voyez, c'est la petite astuce, il faut que l'écart ici soit pareil que de l'autre côté. Il faut que ce soit homogène, on est bien d'accord. Hein? Voilà. Donc à partir de là, eh bien, on reprend un nouveau rang. Voilà. Et là, maintenant, le plus dur est passé parce que c'était à faire en fait cette entrejambe. Hein, c'était le plus compliqué. Là, maintenant, c'est je tourne. Vous voyez, je passe là, je fais ça, je tourne. Bien sûr, quand vous arrivez ici, vous ferez une maille coulée, nouveau rang. Hein, parce que là, c'est des brides, hein, ce n'est pas des mailles serrées. Et on va tourner jusqu'à faire la hauteur qu'on veut du short. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Moi, je vais vous dire le nombre de rangs que j'ai fait. Alors, au niveau du short, là, vous voyez, c'est l'entrejambe. Hein? J'ai fait au total 7 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangs de bride, donc on commence à ici, dès qu'on a fait la première au niveau de l'entrejambe, hein, voilà, et j'ai fini par un rang de mailles serrées, ici, voilà. J'ai fait quelques, ici, de ce côté-là, dans cette épaisseur-là, j'ai fait quelques diminutions pour que ça prenne un peu plus le bidou, ici, là, voilà. Parce que j'ai vraiment un fil qui est beaucoup plus épais, donc il a fallu que je réajuste. Bien sûr, derrière, bon, on a la petite démarcation, mais c'est derrière le doudou, la peluche, hein, voilà, le nounours, donc c'est pas trop gênant. Le devant, on prend le plus joli, et j'ai fait le petit nœud. Alors, le petit nœud, c'est 11 mailles en l'air, et j'ai fait 5 rangs de mailles serrées, et après le nœud, comme vous savez faire. Voilà, le petit short tout mimi. Voilà, donc maintenant, ben, on va habiller Monsieur Nounours. Alors, on met d'abord le short et après on met les chaussettes. Hein. Voilà, logique. Hein. Donc là, on l'habille, une jambe, l'autre jambe. Et hop, voilà. Okay. Donc il faut bien ajuster le short, hein. Il faut bien le monter, ici que là ça ne baille pas, que ça soit bien calé avec le reste. Hein. Là on réajuste aussi, voilà, ah oui, hein. Ça demande de temps du temps de s'habiller, hein. Qu'est-ce que vous croyez, ah. Voilà, le petit nœud, donc là notre petit short, vous voyez, moi on voit que mon fil, le bleu est légèrement plus grand que le blanc, donc c'est vrai que voilà, il faut que j'ajuste bien, voilà, et ensuite nos chaussettes. Alors pour ce nounon, c'est vrai que je suis dans la phase nœud, voilà, je suis dans ma petite phase nœud, donc j'ai mis des nœuds partout. Voilà, et après vous pouvez agrémenter avec d'autres accessoires. Hein. Ici, vous pouvez faire quelque chose au niveau des bras. Là, un autre petit nœud si vous voulez. Bon, après, je trouve que ça ferait peut-être trop de nœuds, mais après, à vous de voir. Ici, à la place du nœud, si vous ne voulez pas des nœuds, vous pouvez faire des croix, des petites croix qui diminuent au fur et à mesure, ou des traits, comme si on avait cousu le short. Hein. À vous de voir. Ou en couleur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous vous êtes régalé à le faire. Hein. Moi, je me suis éclatée. Ça change un petit peu des vêtements et autres. Hein. C'est assez sympa. Et puis, on en fera d'autres. On fera d'autres doudous. On fera d'autres peluches, amigurumi, comme vous voulez les appeler. Voilà. Donc, ce sera à vous de...
À vous de voir si vous avez envie de me suivre dans les peluches. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram, toujours pareil, je suis toujours là. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous.